Benny. Dis, maman, qu'est-ce que tu regardes? C'est l'automne et vous voyez, la dernière pomme est prête à tomber. J'espère qu'elle tombera près de moi. Mais il y a plein d'autres pommes à manger. La dernière pomme est toujours la plus belle, la plus savoureuse de toutes. Et quand on a l'occasion d'en manger, il ne faut pas hésiter. J'espère qu'elle tombera près de moi. Venez, il nous reste encore du temps pour aller jouer. La dernière pomme. Arrête de bouger. Maman a fait une petite compote. Gribouille, Gribouille, je sais que tu te caches par ici. Oh, allez, sors de là. Pablo, je ne retrouve pas Gribouille. Attends, je vais te donner. Ne réveille pas maman. Gribouille n'est plus là. Il est dans la maison. Il faut aller le chercher. Mais on ne peut pas y aller, il y a les humains. Si Gribouille est à l'intérieur, il faut qu'il sorte. C'est bon, il n'y a personne. Il est là-haut, allons-y. Regarde, c'est la queue de Gribouille. Il se cache dans la baignoire. Coucou! Oh non! Où il est passé? Ah, il est là! Gribouille! Oh, ben c'est pas lui. Je suis sûre que Gribouille est dans les parages. Salut! Vous en voulez un bout? Et c'est dangereux ici, Gribouille. Il faut qu'on parte très vite. C'est plein d'humains. Juste une minute. Ce truc est vraiment délicieux. Oh, attention, des humains. Oh, mais qui m'a mis une bagaille pareille? Viens! Vous amusez bien? Ah, on aurait pu s'amuser si seulement Gribouille pensait à autre chose qu'à s'empiffrer. Il a encore mangé plein de choses dans la grande maison. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, c'était plus fort que moi. Oh. Regarde, Gribouille, l'arbre t'offre sa dernière pomme de l'été. Oh, je crois que j'ai plus faim du tout. Nous, on sait qui devrait avoir la meilleure. Et la plus juteuse de toutes les pommes de l'arbre. C'est maman qui aura la dernière pomme. Eh bien, merci beaucoup. En fait, la meilleure et la plus juteuse des pommes, c'est celle que vos enfants vous offrent généreusement.